Avant de me pousser, ne fais pas que tu me pousses, ne me manages pas. C'est moi-même qui sais qu'elle fait mes problèmes. Faut laisser. Non, mais moi, j'ai d'abord pas avec lui d'avoir acheté ton problème, même si tu ne parles pas, il achète ça au Mais mon problème, elle veut finir, vous même pardon après. Non, mais moi, j'ai d'abord me connaître. Bon, avec lui, moi, je veux me mélanger avec ta part, finir avec lui. Vous avez besoin de confiance en moi-même. Vous avez un problème vous deux-même. Il est jaloux de toi. Il est d'abord sale. Il est jalouse. Tu me connais où, maman? Quand moi, je parle avec Joël, ça me dit, parce que moi, on va partir à un anniversaire, un grand anniversaire à Paris. Je suis de devenir grimal. Il vend le pépé, mon ami. Il a insulté les femmes prostituées alors qu'il vend le pépé. Mais je dis à Balata, est-ce que quand tu es monté, si tu l'as même prononcé, tu parlais en bunga, non? Je dis que, non, okay, la pente, tu me connais, non? Je dis que, ne vous en faites pas pour moi. Ma personne est là, mes amis sont là, donc je suis encore calme. Quand je vais le récupérer, parce qu'il y a une vie qu'on ne veut pas, je peux pas faire le clash qu'il y a mes amis et ma personne, vous voyez, non? Mm-hmm. Quand je vais l'allumer, vous me connaissez, je manque, je vous ai dit que 16h, 18h, mais quand vous voyez Balata à lancer, abonnez-vous, et quand il y a lancé, bim, c'est Bertrand qui pleure souvent. Ouais. Du canet va pleurer, la catégorie, mais je le fais ça, du coup, même les tambracatat, on est tous tambracat, en tout cas, monsieur tambracat, je vais presser les testicules, le catégorie va pleurer sur Facebook. Tu vas presser ça comme si tu pressais. Et l'avantage que moi, vous comprenez, c'est quoi? La salle de balade, c'est que moi, je me fais même pas exprès. J'arrive à faire rire mes spectateurs, mais la victime a plus mal, parce que non, je me déçois mal, mais mes manières font rire les spectateurs. Non, mais il t'insulte parce qu'il t'a vu monter dans ce live. Donc, exactement. Ça veut dire qu'il ne fallait pas que tu. Oui. Ouais, vous me. Vous parlez à qui, monsieur? Je suis non-name. Je suis un non-name. Vous parlez à qui, monsieur? Il est qui d'abord pour commencer? Il veut contrôler la connexion des gens. Ce sale chat. Il est qui? Vous me faites rire. Quand il veut me dire que vous voyez, il est qui? J'ai accepté Bertrand, va vous dire. Et j'ai encore plein de. Ce qu'il veut faire, Bertrand Bunga, écoute très bien. Je t'avais laissé, je t'ai même recommandé. Tu sais comment ça va les vues. Comme tu as fait l'avantage, je veux dire, la jalousie de Bertrand, c'est que comme il a vu le directeur, il a fait pour nous soutenir Nancy, non. Même chez Flo, j'ai dit, mais attendez-moi, je suis aussi Nancy. Comme on a les soutenir qui on veut, non. Vous comprenez, non. On soutient qui on veut. Parce que ça anime le page. Et puis moi, je suis Nancy, une, deux, trois fois, m'a tout bien accueilli, donc je la soutiens, non. C'est tout. Maintenant, le problème de Bertrand, c'est que Bertrand, comme il voyait les fleurs, il commençait à me dire, les gens partageaient les fleurs, mettaient les cœurs, les gens commençaient à appeler, donc ça l'a rendu jaloux. Il a un problème de leadership. Moi, je n'ai même pas 6 000 abonnés. Hein. Je n'ai pas 6 000 abonnés, mais qu'est-ce que t'as pour? Voilà, tu n'as pas peut-être 5 000 abonnés ou 10 000 abonnés comme Bertrand, mais tu es un ancien dans mes tâches. Quand je connais pas. Bon, chef le directeur fait le cas, il dit que tape un bon, il dit que aujourd'hui, je dépasse les vues que les gens, même que les 2000 abonnés, même. Tu es plus connu que Bertrand depuis, il doit se calmer. Mais t'es connu, maman. Bertrand, c'est la vue. Le problème, c'est que Balata, ses abonnés, il a acheté. Toi, tes abonnés, c'est naturel. Oui. Tu n'as pas bail, oui. Mon frère. C'est pour ça que sa monétisation ne prend pas, non. Il pleut. Un ami à moi, qui est un blogueur, qui n'a pas de son nom, mais il dit que c'est toi, Balata. Toi, tu fais tes choses, tu t'es habité tellement ton blog parce que nous, on a beaucoup d'abonnés parce que nous, on fait trop de likes. C'est un blogueur, vous comprenez, non? Mais toi, le problème, c'est que toi, c'est un chasseur. Tu n'as pas beaucoup, tu n'as pas autant d'abonnés que nous, mais quand tu fais en direct, un vrai direct, que tu mets la main sur la table, Balata, tu n'as même plus de vues que nous-mêmes qui avons les 20 000 abonnés. Balata, toi, c'est TikTok. TikTok, je n'aime pas toi, il y a tous les conditions, ça m'énerve là-bas, j'aime Facebook, pardon. Si tu presses, tu vas prendre ton personnage là, franchement, si tu vas presser. C'est mon TikTok, mais je ne pense que TikTok. Je pense que TikTok, comme mes neveux, je l'ai pas avec TikTok. Mes neveux, mes nièces, tout ça, tu as 8 ans, 10 ans, 11 ans. Je me dis qu'ils peuvent me voir sur TikTok, vous voyez, non? Oui. Donc, j'ai vu ta papa dans ma famille. Le Facebook, on gâte TikTok. À la base, TikTok, c'est pour les enfants. Hein. C'est pour les adolescents. Ouais. Mais bon, même les vieux matins, se retrouvent là-bas, t'es en train de jouer. Les matins, c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai dit que le cul, ton sale cul, là-bas, tu t'en es jeune, tu pas trop fait. Les enfants, ça va y mettre des trucs, mais tu par exemple, moi, quand je cuisine, peut-être chez moi ici, on va le couteau. Mais si tu ne peux pas montrer le couteau.
Non, on peut pas. On peut pas. Il y a des choses. Parce que là-bas, on bannit facilement. C'est pour les enfants. Le plan protège les mineurs. Moi, sur TikTok, j'ai perdu une page comme ça avec beaucoup d'abonnés sur TikTok. On bannit facilement. Hein. Moi, j'aime. On bannit Facebook. Parce que c'est. On m'a dit que ta femme est partie me clasher avant notre compte à lui. Maintenant, on a connu sa femme, sa moi, qui m'a insulté. Il dit, ah, femme, tu m'as insulté parce que je dois quelque chose. Ah, femme. Il t'a insulté avec ta femme. On m'a. Peut-être hier pour me dire qu'il faut m'insulter avant un compte, un autre compte, c'est ça. Non, tout le monde connaît mes comptes. Est-ce qu'il me cache? Moi, il faut me faire mes comptes. Je ne peux jamais, je ne peux jamais insulter. Est-ce que moi, tu sais quoi? Je ne peux pas parler à quelqu'un. Moi, il parle à la part des autres. Oui. Pour te dire la vérité, ce n'est pas pour me vanter. Balata la balata qu'on a le clash, je n'aime pas clasher, tu comprends non? Non, 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 là, je veux dire rien. Tu m'as vu dans mes mouvements de clash, non? Quand je vais te clasher, je vais faire les, même je vais te faire l'extrémité du clash. Tu ne loupes pas. Tu ne loupes pas ton adversaire, en tout cas. Oh, oh. Balata est sorcière. Même pas toi, n'a pas supporté, hein. Non, balade. Est-ce qu'il y a des pasteurs? Moi, je connais le clash. Parce que quand elle te touche, je te touche, ta bam. Et puis, je m'en vais. Non, maman, tu vas faire ce que tu veux faire de rien. Je ne voulais plus te tirailler avec toi. C'était même inutile le clash. Non, tu sais, je ne peux pas se tirer avec moi parce qu'on a grandi dans le même quartier où on est. Oui. Mais quand tu t'assois sur une personne et balade, la personne lit le. Dit la personne non, la personne a plus mal. Pourquoi? Parce que lui, il a mal quand il le clash. Mais c'est vrai que mes manières font que même quand j'insulte, les spectateurs vont rigoler avec les commentaires. Donc, celui qui va lire que j'insulte aura mal. C'est déjà un nouveau concept. Je maudis blanc tout le monde. Tu le connais. Tu le connais, le concept. Le mot ténébrita et les lumières. Tu le connais. Oh, je suis un ancien yégi. Le bêta, ouais. Il était genre de noir, tu me connais depuis le coup, le mignon. La personne j'ai de voir système, là, que, non, tu sais que j'ai abandonné la pandémie du zoo. Non. Mon ami, il voyait maintenant que Waris, toi, tu te suis depuis chez les Camerounais. Mais tu as trouvé un nouveau concept. Maintenant, tu ne discutes plus trop. Quand tu es neuf, tu le maudis directement. Je suis là au cas, je te maudis en plein live. Et puis, c'est fini. Tu me connais. Si on s'était vu, vrai. Hein? Mais tu te rappelles que j'étais que ma Paris était quand même colle. Tu m'as dit que tu étais occupé. Oui, tu m'as dit qu'on se voit au changer, mais moi, tu n'étais pas là. Tu étais dans mes mapas, non. Moi, je suis polyandre. Oui, la personne aussi a dit que tu mens. Que tu n'aimes pas le genre de personne qu'on peut te donner 1 500 € par mois pour payer ton loyer. Qui dit à qui? C'est ce qu'il a dit de toi. Est-ce que me donne dehors? Va à ma maison, est-ce que me donne dehors? Ben, moi, je veux dehors, tu vas se manier. Tu dis que tu n'en as pas, que tu manques. C'est lui qui fait. Mais moi, c'est la maison au Spanier. Je peux te mettre au plafond, ma maison. C'est ça, tu vas se manier. Pourquoi il se met? Un sorcier. Il dit quoi que le gars, est-ce que mon gars, là, vous commencez? Quel gars qui parle? Il dit que la personne que tu as dit qui te donne 1 500 € par mois, là, pour ton loyer. Déjà, il ne connaît pas qui est un sort. Attends, ma chérie. Jules Bertrand, il y a son numéro. Depuis que tu me connais, tu étais Coco le mignon, c'était en 2017 ou 2016. Quand je me mets en cuisine, tu le dis, c'était pas tout ma nourriture, pas dans ma maison, avec mes habits toujours. C'est toujours chez moi. Tu m'as déjà vu souffrir en Europe. Toi, j'étais chez toi. J'ai souffert que. Et Bertrand, je mange mieux que toi. Je dis, il mange la même nourriture que Dester. Il mange d'abord quoi? Il va faire le steak à comment ça s'appelle encore? À femme. Attends, ne va pas chop ça parce que ta femme voit comment il mange. Tu ne peux jamais. Je n'ai jamais appelé Bertrand ma vie. Je n'ai jamais écrit. Comme ça que Bertrand invente, il a déjà dit, il m'a clashé des fois, il a dit qu'il était venu en Belgique, il voulait le niasser, il a appelé, il n'est pas venu, ma ça. Il dit que je n'ai pas appelé dans le direct, il était dans le direct, la pantaine, le jour là, il m'a appelé. J'ai intervenu dans le direct. Et tu as directement dit ça, il était en direct, tu as dit ça en direct. Si c'est comment quand je parle avec Toby et moi, on se moque de lui en live, sur WhatsApp. On se moque, maman.
il est allé faire comme s'ils avaient appelé en privé Massa. Il dit que maman, il a fait manger la lionne. Même le voisin, j'ai étonné. Il a l'argent, ils ont laissé. J'allais transformer le buzz là en réalité. J'allais sucer le gars, c'est que le sucer. Oh non. Sucer quoi, maman? Il a dit que vous comprenez, non? Et puis la lune n'est pas bête. La lune, c'est que sur Facebook, un homme se met à. Qui te dit, toi, qu'est-ce que tu se met à. Si elle est un non-name, on s'en foutrait. Elle aurait dit oui, tu vois, non? Mais elle-même, elle fait du sale sur Facebook. Elle a peur des hommes de méta parce que c'est risqué. Elle a raison. Mais quand tu vas en Bunga, Bunga, c'est un garçon. Vous aussi, vous aimez trop vous donner le poids en Bunga, c'est un garçon. Non, il est juste le nom de la lune pour te couvrir un peu, non? C'est un gars. Ça se voit, hein? Mais il n'aime pas. Boumane, il n'aime pas les femmes, c'est le modèle. Il n'aime pas les femmes. Tu as vu ses cuissettes? Mais ses cuissettes, il a les mêmes. De Nougalé, un bon Bahama Belgique, villageois. Non, les pieds comme les cul-dents. Quand il parle, il dit. Les dents, alors, maman, il sait pas qu'il y a les fils dentaires. Ou les cuits, il a les dents vraiment, avec la carie dentaire pour remplir du tartre. Vraiment en Europe, avec toute la sécurité sociale qu'on est ici en Europe, que, hey, vraiment. Il est au volant. Tu vois la bouche comme ça. Il dit que maman, c'est toujours la manière qu'on cherche comme ça. Vous parlez même quoi, mais vous n'avez pas vu l'immeuble qu'il a monté. Vous voyez que c'est un appartement meublé et vous ne savez pas chez lui. Et tu... oh. Non, il a toujours dit que c'est pour son cousin. Il a toujours dit ça. Quel cousin? Il m'avait dit que c'est la maison qu'il a construit à sa maman et lui il a son appartement en haut. Mais quand oui, je non, vois, et les gens disaient que tu sais que c'est pas les gens, moi où je construis à côté, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi finir. Ils ont les appartements à côté et ma maison de ma maman à côté que j'ai à faire, mais je dois finir la fin d'année de. La fin de l'année, c'est parce qu'il fait les carreaux et tout, vous voyez, non? Donc, ça, c'est la vie de ma maman que me construit, mon maman et mes frères. Ils sont dans leur abri, hein. Mais l'immeuble là, quand on va voir ça plus tard, si Dieu me bénit, c'est celle qui est ma maison. Vous voyez, non? Mais ça part là. C'est comme ta maison, hein, parce que c'est un gars qui était fait mal en Algérie. Il se prostituait ou bien il était fait mal. Il vendait le pépé. Il vendait ces sales fesses là. Les sales fesses sont pour ça qu'il a mis des caca comme ça. Elle, sa sale barbe blanche. Elle, il est gars, ça. La crête comme Tchaka Zulu. Une saleté qui aime pas l'eau. J'en mouffe mes bimes et lui l'enfant. Je sais que si Nancy donne une gifle en Bunga, il s'évanouit. Il m'a même dragué. Est-ce que vous êtes ce qu'il a fait? Mes copines appellent mon directeur un jour à femme. J'ai une copine qui habite là-bas, Angers, elle habite en fortune suisse. Maman, elle appelle pour me dire que me débarrasse de Mouga, que Mouga est un traître, non. Oui. Il est parti écrire à ma copine. Il y a une autre copine encore qui habite à Avignon, là-bas dans le Vaucluse. Oui. Il est parti écrire à ma copine là-bas, inbox, coucou, comment tu vas faire la drague. J'étais bien. Je jouis, je dors. Toi, tu ne jouis pas. J'ai dit, je jouis, je dors. Je me lève un peu à manger. Je jouis, je dors. Et ma personne qui t'amoune comme moi. Il n'aime pas les gars. Tu as vu, il calculait le petit Toby là, mais comme le petit là est plus intelligent que eux, il a sauvé. Maman se moque de lui ici, malade. Maman se moque de lui ici tous les jours. Il a sauvé. Petit là est très intelligent. Même 20 fois par jour, même 10 fois. C'est qu'il a voulu faire à l'enfant là. Il a été le clash.
En fait, du Cambino, Dieu a refusé. Ils ont voulu finir l'anus de l'enfant détruit. Heureusement qu'il était plus wise. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du Cameroun me m'insulte alors que je ne l'ai pas insulté. Non, je vais bien dire de toi. Tu as vu monter dans ce live. Ce n'est pas question d'insulter. Non, 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 oui, c'est parce que tu es Kim ici. Même quand tu es monté, je voulais même le framponner. Tu as dit que non, tu ne veux pas les choses comme ça. Même dans j'ai même dit à votre live que dans l'été, je venais pour Bertrand. Oui. Mais je le loue, mais ton live que je voulais le framponner. Non, tu m'as dit non, non, je ne veux pas. La parole des autres, je vais le framponner. Quand elle veut le framponner, quand elle veut vous. Regardez bien mon mur, quand elle marque que là, je fais le direct, tu les deux, mets la photo. Je lui ai dit, sûr. C'est ça, le vrai live. Parce que moi, j'ai mes amis, j'ai ma personne qui est là-bas. Je vais faire comment? Attendez. Ma personne est ingénieur. Hein. Moi, j'ai quoi? Les faux gens comme ça. Et du Cameroun en plus. J'ai quoi? Les faux gens comme ça. Ah! Raconte-moi un peu la valeur. Quand elle veut le live. Que je vais tellement laver du camé que du camé, et je vous dis que, ben, tant que je m'en fous encore, je vais le laver vite, mais du camé, vite, le laver. Le gars là va l'île avec Balaka. Je vais laver ce gars là pour le montrer qu'il n'est rien du tout. Même ce flore qui dit que l'abeille ne vaut rien devant flore. Ce flore. Oh. Je vais le laver quand même, les abeilles vont m'accompagner pour l'insulter. Les abeilles ne l'aiment pas. Parce que non, il y a même un copain avec qui dit qu'elle n'aime pas du camé. Pourquoi? Parce que du camé est bipolaire. Est-ce qu'il est bipolaire? C'est un tourbillon. Du camé tourbillon trop. Il est bipolaire. Aujourd'hui, il va dire que Marco, je t'assume. Demain, il va venir mettre le téléphone, on va l'insulter. Franchement, c'est. Si tu ne connais pas le personnage. Qui l'a fait adoler bien aujourd'hui dans le direct de du camé. Du camé, tu as dragué mon pote. Qui est abeille. Vous êtes vu dans une soirée. Il veut l'appeler demain. Bah, voilà. Écoutez-moi, je ne vais pas manger au nom de Dieu, vous comprenez. Je jure. Mon pote qui est abeille, que Flore connaît, de qui il va appeler Flore demain. Du camel à draguer, c'est dans un fait qu'ils sont passés dans un restaurant à Paris. Il a dragué tout le monde. Il va quitter la grande ville. Un gars que ses jambes, tes cuisses courtes. C'est pour aller voir là-bas. Il a les frottements. Mon ami a dit que Wari, c'était dans une soirée et tout. Nous sommes partis faire after. C'était, je crois, c'était au. Oh. Je vais l'appeler demain. Attends, je vais l'appeler demain. Voilà, il faut que j'oublie ça. Et du camin a commencé à me draguer. Et en douce, je vous regarde l'intérêt de là en douce, non? Que viens voir, tu me plais, donne-moi ton numéro. Mon ami, que tu sois du camin, il est pixel, la tête ronde. Et mon ami est bamien, comme la tête du mâchoiron. Mon ami est bamien, comment est-ce que je suis bamien, aussi mélangé, c'est bamien. Il me dit, je crois que c'est bamien, quand même qu'il était beau. Je regarde, il me dit que Wari, c'est un gars que je ne peux jamais sortir. Et même si je regarde Nivaki, il ne peut même pas gérer Nivaki. Nivaki, c'était mon ami, non. On a cartonné. Il ne peut même pas parler à une personne de nous, là. Le problème, c'est que du camion, il est d'abord sale, Balata. Il est d'abord sale. La bouche sent la fosse sceptique en saison de pluie. Tu vas boire avec lui. Non, ça. La vapeur, il y a la vapeur que son esprit. Et il ne fait que boire. On lui dit qu'il est tenté de prendre un sale poids. Tu ne peux pas boire de l'eau. Quand tu es court, tu te tasses quand tu prends le poids. Nous, les gens sont grands. On peut même boire et s'amuser. Mais le poids et les autres sont fondés de long. Balata, quand tu es court, tu prends le poids. C'est moche, hein? Oui, pas bon. On m'a dit qu'il porte les. On m'a dit qu'il a 17. Hein? Mon ami m'a dit que du camé a de cette touche pointinini avec les costumes. Que tu vois ça, c'est lui. Maman. C'est comme le
Kaba, mon frère, ce n'est même pas sa taille. La Balenciaga, elle a tiré comme le coup. Il manque l'équivalent d'une petite maison de mon gardien. Il a un bagot fini. C'est que le pied à terre, la, le pied dans la chaussure, le pied au milieu, la chaussure même à terre comme le pain Kumba. Il veut mourir parce qu'il dit que ses collègues suivent les directs de Facebook, que les collègues suivent les directs du cas. Il dit que les quotas du Ndiapabdoa doivent lancer leur direct. Même Waris, il n'est pas fier quand Waris passe ici. Donc ça l'énerve. Il dit que vous vous rendez compte, il dit que même son patron, son boss n'appelle que du Cambino. Il allait bien éclater de rire le jour-là. Ah non, même la femme libanaise, c'est qui travaille à la paix du Cambino aussi. Il travaille chez les Libanais, il travaille chez les Nkassan. Elle a dit que son patron l'appelle du Cambino. Quand tout ce qu'on dit de lui là, eux connaissent ça. Donc, on le rappelle son travail. Ouais. Mais ça veut dire que son patron est dans le diapaba, alors c'est ce que ça veut dire. Il a abonné en paiement, il a même qu'il a monté la page. Il a abonné où? Il a abonné où? Il a dit qu'il regrette. Il a dit qu'il regrette d'avoir dit ça au travail qu'il est blogueur. Que tout ce qu'on dit maintenant, on vient se moquer de l'autre travail. Ouais, ça a c'est de lui quand il a dit ça. Maman, j'avais éclaté de rire. Ça parle de ses pages là-bas pour te faire voir. Voilà, ça, ça reprend tout celui. Qui a donné le nom de ses pages pour se faire voir, non? On ne pleure pas. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est que... Il est fait. C'est pour ça que j'explique toujours bien quand, il a, quand je suis en direct, quand il est du Cambino. Il a donné le nom de président de blogueur. Il est quel président, quel blogueur? Tout le monde ne le connaît pas. Et mais d'abord, c'est trop sale, j'ai un peu été président. Est-ce que du Cambino peut me parler? Mayam, c'est quoi Mayam? Elle a finalement dit que tu n'es plus président de blog. Depuis, on offre le nom là-dessus. Maintenant, on va le capturer. Il doit être capturé le 9 décembre. Avec Bunda. Avec Bunda. Capturé et attaché. Maman, la mais chose que j'attends le 9 décembre, là, il y a aussi la bagarre de Nicole Kitcha, maman. Je ne peux même pas rater ça. Même s'il faut qu'il nage, il est obligé d'avoir la nage pour arriver en France, il va arriver. Oh, ah. Tu sais quoi, on a mis la stratégie en place, on avait milliardaire entier. Donc, la stratégie est toujours en cours. Moi, je suis sûr que. Nicole compte sur les abeilles qui vont l'aider pour Nak Lolo parce que je ne suis pas sûr que Nicole peut Nak Lolo, qu'elle a voix petite. Elle est comme. Elle est comme ça, elle est comme ça. Je ne suis pas sûr qu'elle peut bagarrer. Hein. Quand tu vois Nicole, est-ce que quelqu'un que c'est toi, ma pâte, elle va t'arrêter la bagarre. Pardon, laissez le tour de Facebook. Quand on est derrière la caméra, on parle aussi. Non? Est-ce que tu avais dit quand même. Tu sais que si Lolo gifle Nicole, que tu as une bonne gifle, elle va s'évanouir. Elle est comme un peu, elle est comme un peu comme du Cambino. Ça va. Merci. Natacha de Monaco qu'on a attrapé, elle est devenue gentille. Je suis sûr que le jour que Amour va voir du Cambino, c'est la claque. Elle pense que Paris, c'est un petit endroit. Paris est grand, hein, c'est la capitale. Tu vas voir Lolo où à Paris, sur quelle position? Si tu ne donnes pas rendez-vous à Lolo, que Lolo vient pas boire un verre, tu vas voir Lolo. On peut être compté sur les abeilles, non? Parce que tu es à Paris, tu vas voir Lolo. Oh, on me fait dire. On parle de Paris, on dirait que c'est un... Paris, là, c'est une petite ville, genre. Non. C'est la capitale, hein, c'est grand. Donc, je ne pense pas que parce que tu viens à Paris, elle va tout te voir, elle va forcément voir Lolo. Et bon, c'est... Les deux n'ont rien. Elle n'est même pas encore en soi en Italie. Elle a la frontière là-bas, Soratiaga, ou la base à là. Elle n'est pas encore en Italie. Elle va d'abord passer par où par exemple. Je te dis que les deux n'ont rien en commun. Rien en commun. N'importe quoi.
Il y a quelqu'un que j'attends sur la page ici pour le bloquer depuis mardi. Quand il arrive ici, il est sage. Ça m'énerve. C'est une personne. Non, tu sais que les profits qui m'insultent partout ailleurs, là, moi, c'est ici qu'il les attend. Il faut que Nancy débloque tous les gens que Edith Mike Jackson a bloqué. Mm-hmm. Nancy a bloqué au moins 2000 personnes le temps qu'elle a connu Mike Jackson jusqu'aujourd'hui. Elle dit que ça et son mari le week-end, son mari va les dire. Je me suis demandé comme bloc. Mm-hmm. Mais oui, non, elle commandait dans. Mais Nancy a souffert. Hein? Nancy a souffert dans les mains de l'Angala, mon frère. Vous n'imaginez même pas. Elle sort de l'eau, la panthère. Ah. Bondé Nancy comme l'enfant, mon frère, sur sa propre page. La relation comme vous tenez là, moi je suis pas moi dedans. Pardon. Non, oui. Et que dans une team, c'est trop dur. Et que dans une team, c'est difficile. Pardon, que chacun trace sa route. Non, c'est mieux. On est dans la relation. On se met dans la relation pour l'île. Et la boîte a une durée de 16 personnes en train de se défendre. Où elle se défend à Pio? Ah, maman, la fille, la fille. Mais quand vous voyez Mike Jackson, est-ce que vous voyez que la tête tient? Vous pensez que la tête est normale? Est-ce que Bertrand, justement, a vu la tapisserie que tu as mis dans le live? Il dit que quoi? Est-ce que Bertrand, justement, a vu la tapisserie que tu as mis dans le live là? Il a vu ça, il est parti, mais quand il a vu, il a commencé à pleurer. Il était là, non? Ah, pas mal. Hein, Balata? Non, quand je le vois, il embrasse le chien là sur la bouche avec la bave là, ça me fait là. J'ai besoin de faire ma peur de ta mère. Jamais. Non. À fond, c'est la bête noire de Ducamé dans mes temps, mon frère. Ducamé, c'est le nom de fils de Ducamé de le tirer. Si lui va tirer, même trois balles. C'est un conteneur de gars. C'est un conteneur. Quand tu es à Paris, le temps que tu vas pas le dire que tu vas rencontrer Ducamé, il va te rendre tout ce que tu lui as fait dans mes temps. Tu vas lire là avec lui. Il va te faire ça du mieux. Il dit que. Je vais vous laisser, les filles. La bataille, bisous. Je vais vous laisser. Il y a des cas partout là où on lave du cambindo. Il dort seulement là-bas. Oh, hein. Et ça ne chauffe pas. Ma personne, bye bye. Non, mais lui aussi, il peut aussi draguer Nivakin. Il se voyait que ou non. Jusqu'à du cambindo, draguer Nivakin. Un sale chat comme ça là. Lui-même, il ne sait pas pousser un franc. Hein. Il voulait Nia Nivakin. Nivakin a refusé. Nivakin a dit Nia. Il ne se prend pas lui pousser un franc, l'animal. Jusqu'à ne pas draguer Nivakin. Nivakin d'abord aime la belle vie. Nivakin aime le luxe. Nivakin aime d'abord le luxe. Il tentait la chance. Je ne sais jamais. Il tentait sa chance. J'aime la chance et étonné. Mais il tentait sa chance, sa femme. Hey, on a le droit à risquer pour trouver l'amour aussi dehors, c'est facile maintenant. Non, mais Nivakin. On ne sait pas d'où le caillou va mordre. Là où on dit que le caillou va tuer l'oiseau. Hein. Non, le problème, c'est que Nivakin d'abord aime d'abord le luxe, c'est ça le problème. Nivakin s'assume. Nivakin aime d'abord la grande vie. Mm-hmm. Et lui, il mange les œufs tous les jours. Est-ce que Nivakin va accepter de manger les œufs tous les jours? Et à côté de toi, mais tu vas mourir. Sa tante a préparé la sauce gomboya, il allait casser le plat avec ça. Il tapait le plat comme ça. Il a demandé si tu peux manger une bonne bouffe comme lui, il allait mourir de rire. Maman, la sauce gombo que nous, on ne peut pas, ils sont mis les escargots dedans, les crabes, le poisson fumé, le poisson, la viande. Maman, les obstacles, on peut apprendre aux gens comment on ne peut pas la sauce. On mange la sauce gombo. La sauce gombo, il n'y a même pas la viande dedans, c'est lolo, il fait la gueule. Merde, il peut manger je dis que les escargots, d'abord, ça coûte cher. Les crabes, là, ça coûte cher, maman, le paquet de crabes. C'est à partir de 16 euros, 20 euros. Parce que là où j'achète, c'est 20 euros. Hein. Je ne sais pas. Parce que chez nous, là, c'est difficile de trouver ça. À Camerounais, vous qui vendez ça, c'est le paquet, c'est 20.
Amen. On exporte ça, non, c'est cher. La viande, tout ça et tout. Je ne suis pas sûr qu'il y avait les obstacles dans son gombo là. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu manges le gombo comme ça, tu sens que non, il mange juste sentiment. Tu croques l'escargot comme ça, maman, avec le gombo. Ha, avec la sauce gombo qui, ça descend. Il n'y avait pas, les escargots dedans. Il n'y avait rien. Les escargots, ça coûte cher. Hein. Un gars qui mange la sauce gombo, on ne l'entend pas sucer les os après. Il n'y avait rien dedans. D'abord quoi le gombo c'est dans les os, massa. Le vrai jeu c'est dans les os. La sauce gombo seulement avec le mbunga. En fait, les anciens sauces gombo, mon frère, quand on faisait encore au village, quand on partait au village, on disait à la grand-mère, pour qu'on sa façon de préparer la sauce gombo là-bas, juste avec le poisson fumé, le mbunga, soit le mbunga. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération de sauce gombo là, maman, les gens mettent les obstacles juste parce que c'est les Nigériens qui ont appris, c'est les Nigériens qui ont appris aux Africains à mettre les obstacles dans les sauces comme ça. Parce que les Nigériens, non. Dans une sauce, ils mettent tout. Ils mettent le poulet, oh, la viande, oh, les crevettes. Oh. Ah, ils disent que les Nigériens ont fini avec. Le mal. Moi, j'aime quand ils mélangent le gouti soupe avec, avec le bono. Vous connaissez le bono? Oui, le bono. Hum. La pâte. Je dis que c'est la magie de la sauce. On fait d'abord les goûts et on fait le guano, on te met un peu de guano dessus. Oui. Tu veux dire. Oui. Voilà. Mais tu me parles à une fille qui part au Nigeria, mon frère. Mmh. J'imagine. On a tout ça, les bitalis soupes. Au guano soupe et goûts. Si du parmi le vieux au Nigeria, il va l'amener manger les goûts soupes. Tous ces soupes-là, moi, elle connaît tout ça. Elle a chop ça. Même Mbunga, pour que Mbunga prenne le poids, un mois, je fais pour qu'il prenne le poids. Au Niger, les foufous, on vise ta tête avec ça, c'est casse, mon frère. C'est ça qui m'énerve. Les foufous, non. Oui, ils ont beaucoup. Les foufous, on te casse la tête, on peut casser ta tête. Hein. Ouais. Moi, je n'aime pas. Leurs foufous, ils ne font pas ça, ça ne cuit pas, ça ne cuit pas. Et c'est dur. C'est ça qui moi, je les aime. Moi, je n'aime pas moi, leurs foufous. Les bonnes soupes et goussi soupes là, c'est les deux soupes que j'aime bien, accord soupe. Ils disent encore. Ouais, n'aime pas mal un autre. Moi, tout ça. Ils aiment de l'huile rouge dans le. Toutes les sauces, ils mettent l'huile rouge. Même dans la sauce tomate, ils mettent. Le national, c'est le couscous. Ça me dépasse en fait la façon de mettre de l'huile rouge dans toutes les nourritures comme ça. Sinon, il faut apprendre à manger au Nigeria. Parce que si tu n'as pas. Moi, les premières fois que j'ai parti au Nigeria, je n'arrivais pas à manger. Je mangeais le kouba bread. Là, le kouba bread est bon. Je mangeais ça. Ils ont mangé le kouba bread. C'est celui de la patate. Hein. Ils ont celui de la patate. Et celui de la patate là, est bon. Hein. Mm-hmm. C'est bon. C'est au bread. C'est très bon. Mm-hmm. Je mangeais que ça. Mais après, j'ai appris à manger. Non. Parce que j'avais mangé le bitali, c'était trop amer. Ça m'a pas plu. Le bitali n'était pas bien. Je... Ben Mbunga est maigre là, s'il arrive là-bas, j'ai un mois pour lui faire prendre le poids. Il dit qu'il ne mange pas un chat africain. Là, ses pieds là tombent aussi. Ses pieds sont trop minces. Il n'a même pas de rein. Il va chopper le fried rice, jollof rice. Il dit que les chats africains qui n'aiment pas, que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais comment tu vas te déshabiller devant un homme? L'homme est plus mince que toi. Tu vas en aller où? Tu vas perdre le goût. Tu vois, un gars, tu commences à le chercher. Il y a les gars minces qui, maman, ils te prennent au lit comme ça. C'est que les gars minces sont souvent les bangs, un jade antique. Maman, il ne faut pas critiquer les gars. C'est vrai. Mais que c'est vrai. Non, le gars, il est efféminé. Mais Pumbunga, Mbunga est efféminé. Pumbunga, je vais en venir, mais Pumbunga, quand tu vois ses cuisses, tu sens que c'est mort là-bas en bas, ça ne fonctionne plus. Il date d'abord trop, il date comme un fou. Il fume. Je demande. Quand vous voyez le Mbunga debout là, ce sont les habits qui le portent. La ceinture, la pèse au moins 10 trous sur la ceinture. Les petits rings. Comme... Ah, les petits rings comme les rings du poisson. Mbunga, avant qu'il arrive sur Facebook, c'est quelqu'un qui était dans une forte solitude. Hein, parce que tu sens qu'il s'amuse. C'est une façon pour lui de se distraire, de tuer le temps, en fait. C'est une thérapie.
même s'il a dit autrement dans son comportement, parce que moi, le comportement que je vois de lui en ce moment, je n'aime pas du tout. Moi, j'ai vu d'aller sur ses pages. Il me fait plaisir. Moi, je ne me vois pas. Pourquoi moi, personnellement, il s'est réabonné à moi l'autre jour. Moi, personnellement, je ne suis pas abonné en retour parce que je ne veux plus. Je ne l'aime pas, en fait. Je ne sais pas, je ne l'aime pas. Je l'apprécie plus comme avant. Il fait des choses qui ne me plaisent pas. Il insulte les gens des autres. Il lance direct dénigrer la femme. Moi, ce n'est pas l'image que j'avais de lui. Il est parti en train de danser. Ça m'a choqué. Hein. Ça m'a vraiment choqué. Moi, un peu plus, moi, monter dans cette chose qui est intervenue, je t'ai chroniqué jamais. Il dit que là où il y a du temps, moi, je ne suis plus moi là, mon frère. Là où il y a du temps, moi, je ne suis pas là. C'est pas moi là. Ouha. Donc, qui compte? Continue comme ça, insulter et venir demander pardon. Insulter les gens, vous chiez sur les gens, vous passez sur eux comme le tac, comme le goudron. Vous venez dire que non, c'est le dîme, non. Ah bon, hein? Maman, il connaissait, vous lavez, maman. Vous partez animer son dieu, vous lavez ses lèvres, il vous lave, il dit que yay. Il avait pris l'habitude, hein? Il avait pris l'habitude. Il nous lavait, effectivement. Du Cambindo, non. On était sur la part de Jukamé comme ça. Même quand un faux baiser arrive sur moi comme ça, il m'étale là-bas, maman. Il me chiba. Merde. Quand on le regardait comme ça, il disait seulement que maman, ça, c'est un sorcier. Il est sans sentiment. Il dit que tu avais Jukamé comme ça, c'est pas ton ami. Hein. Si un buzz arrive sur toi, qui sera le premier à parler de ça et à se foutre de ta gueule? Vous parlez même de quoi? C'est quelqu'un là-bas. Hein. Quand on protège ses amis, bon, dis encore que lui ne me connaît pas. Mais ta chaîne à qui soi-disant, il disait que c'était sa personne. Il a voulu dénigrer la fille là-bas sur sa page parce que comme il a dragué Tatiana a refusé, il a vu qu'il y a les gars là-bas qui y a un mot Tatiana, il a commencé à salir Tatiana. Il est parti parler monsieur propre pour finir avec Bézan l'autre jour. Ce type est très mal intentionné, moi je ne sais pas pourquoi. Il a fini avec Dolé Mendo ce soir avec le point de Cédine Doumbéla. Dolé Mendo, bof, elle est descendue du live. Mais n'est-ce pas Dolé Mendo parce que Brice a fui le live. Non, mais Dolé Mendo ne se respecte pas. Même Dolé Mendo, elle ne se respecte pas. Je suis désolé. Le débat est pas à chercher d'abord quoi là-bas, mon frère. Les choses sont des garçons. Les hommes sont dans un débat. La petite fille qui est venue après la maman, sa façon d'intervenir me faisait seulement rire. Franchement, des gros débats, je voulais toujours aller parler dedans. En tout cas, vous pensez que Ndolé Miondo se respecte? Franchement, Ndolé Miondo, c'est quelqu'un que je n'ai jamais. Il n'est jamais indexé dans mes temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis jamais attaqué. Et c'est qu'elle ne m'aime pas. Elle ne m'apprécie pas, mais moi, je la laisse là où elle est. Elle est Ah, qu'elle soit tribaliste ou pas, c'est son problème. Moi, franchement. Elle ne peut pas d'abord s'exprimer. C'est mieux qu'elle le fasse en Douala. C'est pourquoi elle dit que le débat des hommes avec le gros français, mon frère. Tu peux chercher quoi là-bas dedans? Quoi? Le débat des gars là avec le gros français, toi, tu pars où? C'est ce qu'elle dit. Elle n'a pas l'air de la peine pour elle. Elle n'a aucune éloquence, mais c'est elle qui veut crier. C'est elle qui a raison. C'est elle qui interrompt les gens. Ah, c'est ta raison, c'est bien. Et depuis que Flo l'a nommé Abeille, là, elle a beaucoup pris en confiance. Hein. Pourtant, elle avait honte. Ndolé Miondo que vous voyez là. Ah bon? Elle a beaucoup pris en confiance depuis qu'on l'a nommé Abeille. Mais vous n'avez pas remarqué ça? Non. Mais elle est fâchée de Stambakatera que n'ont pas. Qu'elle n'a pas publié Cédine Doumbéla. Que Flo de lui, c'est qui, non, dis donc. Quelle est Flo? Il a commencé là-bas, ils ont mis les têtes de mort. C'est qui d'abord au Cameroun, dis donc. Une gars du Cameroun dit qu'elle a appris aux femmes à faire l'amour. Pour elle, quoi dedans si le gars l'a gagné? Le gars là même d'abord connaît Flo lui-même. Il connaît Flo de lui-même. C'est ça. Le gars qui de l'aime, on a dit que oh, Flo n'a pas parlé, Flo n'a pas posté, machin, n'importe quoi. C'est qui Flo de lui, c'est une blogueuse, non? Mais c'est ça qu'elle dit, est-ce que le gars là lui-même connaît Flo de Lille?
Non, mais le problème, c'est que même, c'est vrai que lui, il est dans un, il est dans son monde. Ouais, là-bas, ouais, là-bas, non, mais c'est obligé, même d'abord. C'est obligé. On dit là-bas, c'est wesh wesh. Donc. Non, mais c'est d'abord obligé qu'elle partage. Mais elle, même, elle est blogueuse, qu'elle partage sa page, comment elle a partagé. Non, mais est-ce que c'est obligé que Flo partage? Non. Mais que les gens arrêtent un peu de vouloir faire comme si les gens n'ont pas leur vie. Les gens ont leur vie, hein. Les vies des gens sont. Voilà pourquoi okay, là-bas, elle cherche la hande des papiers, il n'y a pas l'argent. Vous parlez qu'elle devait partager quoi? Mais voilà, mais c'est vous, mon frère. Mais quand elle est siassée sur son litchi, quand on a saboté, vous êtes là, vous. On a saboté son litchi. Donc, on a dit avec ça. Ouais. On a saboté, non? Non, il ne fallait pas. Pourquoi il fallait pas laisser les gens réaliser leur truc? Ils ont maintenant, donc, ils ont mis la stratégie en place. Donc maintenant, les abeilles font maintenant. Donc, ils ont fait les postes pour dire que les gens doivent cotiser. Donc, ils ont fait les postes pour la Kama faire, Nicole Kitcha. Donc, tous les abeilles là maintenant, donc le mot d'ordre, c'est de rappeler aux abeilles de cotiser. Non, mais le problème, c'est que. Ce qui me dérange, c'est que les qui se sont permis d'aller saboter ça. Il faut laisser les gens faire le truc. Pourquoi aller saboter? Je ne comprends pas. Non, moi, comme j'ai dit, celui qui est bête, c'est son problème. Ceux qui cotisent, c'est parce qu'ils veulent cotiser. Pourquoi voilà, ça dérange les gens? Les gens qui veulent cotiser vont cotiser, mais ça ne sert à rien de saboter. Ce n'est pas parce que moi, je ne cotise pas qu'il veut saboter, qu'il veut dire que non, ne cotisez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de saboter, franchement. Aller juste à saboter, c'est pas cool. Mais elle noque les lits déjà, non? On a aussi noque la part. Non. En tout cas, c'est le game, non, maman? Est-ce qu'on peut aller à le game? C'est entre eux. Moi, j'ai moi le temps, mon frère. Et moi, étant dans mon blog, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que ne parle pas de telle personne, parle de telle personne. Non, non, moi, je ne veux pas ça. Non, quand tu parles de toi, tu ne me plais pas, moi, je descends. Est-ce que je ne suis pas là pour te dire que tu ne parles pas, ça parle pas. Non, comme tu es radical, qui peut venir te parler? Tout le monde connaît ta position. Qui peut oser venir te donner une ligne à conduire? Moi, je descends, non. Non, tu sais, il y a des gens qui veulent toujours faire comme s'ils veulent contrôler ta vie, te dire ce que tu dois dire. Que non, ne parle pas ça, non, parle plutôt ceci. Non, non, tu devais parler plutôt de ceci là. Ah, mon frère, tu as ton Facebook, non? Non, mais c'est pour ça que là, direct, tu parles ça. Je fais plus les lives. Quand tu veux faire du sale, viens sur ta page. Regardez ce que Nancy a subi. Nancy peut te guider comme un enfant. Elle n'avait même pas la parole sur sa page. Vous vous rendez compte? Elle ne dormait pas. Marc, je vais l'appeler à tout d'un coup de les excuses. Que chacun vraiment s'occupe de ses oignons. Non, mais après peut-être. Peut-être que les gens ne disent pas ça aussi parce que tu sais, il y a des gens comme ça qui vont dire non, ne parle pas de ci, parle plutôt comme ça, ne parle pas, parle plutôt comme ça. Mais après, c'est moi quand je suis dans un live, je parle beaucoup. Je ne lis pas les commentaires. Et quelqu'un qui m'écrit en bas peut se fâcher en croyant que peut-être je ne le gère pas son commentaire. Mais bon, c'est toujours des questions. Non, mais je ne regarde pas tous les commentaires. Parfois, je suis concentré à parler pour ne pas perdre le fil. Mais moi, j'ai dit que franchement, le live, lancé là, le compte et la panthère, disons, moi, je ne suis plus moi dedans. Franchement, je ne suis plus moi dedans. Moi, je vois là où on se cramponne du Cambindo et que je peux monter pour cramponner. Je monte et cramponne. Mais est-ce que faire même le live est facile? Tu as vu comment je coupais aujourd'hui et partais faire mes trucs, je revenais et partais faire mes trucs, je revenais. Non, le reste, là, moi, je ne suis pas moi là. Il y a des gens qui s'accompagnent, hein. D'autres gens sont au travail, toi tu es là, tu t'épuises, tu te fatigues, mais quelqu'un vient te dire que l'on fait comme ça, mais tu vois, on a celui, non? Non, votre gérard nous accompagne, papa. Ça fait fly, moi, personnellement, je n'ai pas rien sans pot du Cambindo, mon frère. Je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Hey, un sans pot du Cambindo, c'est bon à moi, c'est sucré à moi. Et c'est pas que le crampon ne se manque là-bas. Balata n'a pas le crampon. Lui, j'étais dans mon coin, il est venu me chercher. Non. Il a dit qu'il voulait la guerre. On va savoir que c'est fait ça. Pop, et ça ne chauffe pas. Là, le crampon ne se manque là-bas. Je ne perds rien et je ne gagne rien.
Non, mais moi, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est que les gens se fâchent sur les choses, les gens qui ne vont jamais voir, les gens qui ne prononcent jamais leur nom. Vous vous rendez même compte qu'il y a les abeilles qu'on appelle jamais leur nom. On ne les gère même pas. Adama. Maf, faut dire que tous les abeilles sont pareils à ses non, yeux maintenant. C'est le mensonge. Maf, maf. Qui va croire ça? Qui va croire ça? Nous, on écoute, non? Il y a de cela encore quelques jours, elle disait que ma maison, comme le litier est saboté, maintenant elle dit que maintenant notre maison. La stratégie, c'est chaud. Écoute, dans la maison avec les abeilles, tu sais que ma femme reçoit souvent les abeilles, non? Elle reçoit les abeilles chez elle, hein? Excusez-moi, prenez-moi les des abeilles. Je ne savais pas. Non, mais son, les vidéos que les gens ont fait là, ça a sensibilisé les gens. Hein. Vous investissez pour les gens que vous ne connaissez pas, alors que vous-même, vos vies sont en chantier. Ça fait réfléchir. Mais ça finit avec elle. En tout cas, non, mais chacun est libre de cotiser s'il veut. Non, non, non. Oui, end of day, si tu veux, tu peux cotiser ton argent. Elle n'est pas du cotiser dans le litige de l'anniversaire de Tata Loulou, non? Qui ça? La Marco. Je t'ai lancé, mais maman, je ne sais pas quoi. Je t'ai lancé. Elle a perdu le direct de composition. Composition lui demande ça. Allez, quel nom? Il faut que Lolo invite Flo de Lille. On va quitter sur les problèmes. Composition lui a demandé pourquoi elle a cotisé là-bas. Mm-hmm. Donc, Composition lui a demandé. Elle m'a les comptes. Oui. Flo lui a dit que non. Tu sais qu'elle était venue cotiser à l'étude de la maison. Et elle dit que comme c'est le marabout qui leur a dit ça, je ne vais pas rembourser là-bas. Je suis parti aussi cotiser là-bas. Elle ment. Vous voyez donc que les histoires des marabouts là, je vous ai dit qu'elles ont les marabouts, non? Est-ce que vous croyez? Laisse, ça c'est le truc que juste, elle a fait ça juste parce qu'elle ne voulait pas indexer son poisson. Mais je pense que Flo a cotisé, c'était de bon cœur. Elle a poussé, elle a vraiment fait son cœur en fait. Flo dans son cœur, je te dis quelque chose à la femme, Flo dans son cœur, elle a vraiment envie de passer à autre chose avec lui, mais les gens qui l'entourent, ce sont les abeilles là qui noient Flore de Lille. Ouais, j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai pas. Je n'ai caché ça. Tu le sais très bien. Flore de Lille, même tout ce qu'elle a toujours dit. Elle a dit que tu fumes, machin. Ça ne vient pas du fond de son cœur. Moi, je connais la femme. Ce que la fille a fait. Quand elle fait bien, après ça, les abeilles disent que non, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle vient, change. Pourquoi tu amuser la galerie? Sinon, pourquoi elle vient cotiser dans le litige de l'anniversaire de Lulu? Ça, c'est un message qu'elle est en train de passer. Moi, je pensais même que c'était le beurre. Je ne savais pas que c'était vrai. Message à la femme, c'est pour dire que tu oui. Fais dans ce je n'ai rien contre toi, je n'ai rien dans mon cœur contre toi. Et mais c'est mieux, mais il faut que Lolo l'invite. Il faut que Lolo l'invite. Mais oui, il faut faire autre chose aussi. Même si après c'est tu mais que ça ne va plus à l'extrême. On peut toujours ouais. Apprendre à faire respecter. Hein. Il faut apprendre que Lolo l'invite. Elle invite Flore de Lille, après ça elle invite Dougoudigui. Dougoudigui. Et la panthère. Oui. La panthère. Oui. Aidez maman. Oui. Elle était le pouvoir de ta fille du Cameroun là. Elle a fait une nouvelle coiffure là. C'est comme si elle ressemble à la souris qui est tombée dans la marmite du. Tu ne pouvais pas partir du direct là. Et que tu ne pouvais pas partir de ce direct sans embêter mon personne. Elle est mangée pour aujourd'hui. Elle est comme ça avec Oshiga. Que Oshiga, elle a partagé la musique de Oshiga un jour. Non, je pense qu'elle partage, hein. Je pense qu'elle partage. Je pense, je sais pas, mais je pense qu'elle partage. Les choses d'Oshiga, je vois, elle partage les choses d'Oshiga. Je pense qu'elle partage. Elle partage beaucoup même les choses d'Oshiga, la Lyon, hein. Je te dis, hein. Je vois. Seigneur Jésus. Ah, c'est l'instant, Bakatano, ma peau. Si elle a des choses à dire d'Oshiga, elle le dit. Si elle a des choses à dire d'Oshiga, c'est pas comme ça. Tu vois comment elle a lavé Madocas, non? Vu qu'elle dit comment? Tu vois comment elle a lavé Madocas, non? Elles sont en guerre, non? Les États-Unis sont en guerre. Est-ce que Docas a peur du clash? Ils sont en guerre. Les alliés sortez. Les États-Unis sont en guerre.
Non, mais l'alliance s'épuise pour rien. Moi, l'alliance, je ne calcule même pas d'Ocas. Elle s'épuise pour rien. Je suis arrivé hier, comment, j'ai vu comment elle l'insultait. Elle m'a dit que maman, tu as le souffle. Tout ça pour plaire à la mafou. Moi, si je répondais à tous ceux qui m'insultaient, c'est que j'ai à mort. Beaucoup de gens me tramponnent. Moi, ce que j'ai retenu dans Facebook, c'est que les grandes soeurs ont joué avec mes enfants. Ne suis plus moi dedans. Elles vont se réconcilier. Moi, je n'ai pas envie de pleurer mes organes après. Pardon. Elles vont se réconcilier. Nous sommes dans Facebook. Elles ne veulent plus moi utiliser mes organes. Elle est bon aussi la personne, sa position dans laquelle elle est. Elle est aussi insultée les gens. Madoka est assise chez eux aux États-Unis, chez ses enfants. Est-ce que Madoka est aussi la lionne? Madoka, c'est même la francophone aussi propre. Donc, je pense que pour la lionne, c'est un droit de réponse. Par rapport à quoi? Mais tu as vu comment Madoka s'est lavé? Je ne sais pas si le gérer depuis deux jours. Madoka, tu veux travailler. Madoka travaille. Quand elle est busy, elle ne sort pas. Comment? Les États-Unis, elle me prend la défense des États-Unis jusqu'à. Madoka est au boulot, elle a dû chercher ses dollars. Que ta femme avait les lèvres pendantes, elle est là-bas au Cameroun, elle a dû la chercher, alors qu'elle n'a même pas mangé depuis le matin. Avec les lèvres. Donc, parce qu'on est au Cameroun, on n'a pas de quoi manger, Thérèse. Pardon. Ça, c'est notre époque. On avait, les gars nous assuraient. Elle, quand tu la vois, là, avec sa mère qui a location, là, elle a de quoi manger. Une fille qui a emballé les papiers hygiéniques. Non. Et puis qui se levait le matin pour la moto. Non, parce que je la vie est finie. Non. Une fille qui se levait le matin. Parce que je vois les bons gars que je laisse au pays. Aucun de mes bons gars bastait que je prenne la moto pour aller à mon pied, emballer les papiers hygiéniques tous les jours rentrés. Maman, est-ce que tu as le boulot au pays? Ah, elle a même trouvé ça. Donc on parle aussi pour les licenciés, les gars qui ont le master, tout ça. Tu parles aussi de. Elle était à l'école un jour. Non. Ce n'est pas question d'école. Normalement, ta place est dans la cuisine. Elle a été ménagée quelque part. 40 000 au mois. C'est sa place là-bas. Elle n'a pas été à l'école. Là, tu simplifies ça. Pourtant, tu ne connais même pas le salaire qu'elle touchait. Elle avait combien? Quand le monsieur avait lui-même gagné combien? Elle avait au trop 60 000, 50 000 par mois. Mais elle partait là-bas pour vendre le piment. C'est son comptoir. Elle partait vendre son piment là-bas. Paul, franchement, ça ne vaut pas la peine. Elle partait vendre son piment au Tchadien, au Centrafricain qui vient faire le commerce en gros là-bas. Elle vendait son piment là-bas. Elle vendait le piment, c'est qu'elle a le temps de venir s'asseoir dans mes temps, mon frère. Elle vendait, ma soeur. Elle vendait et elle continue à vendre. Elle pas le temps, ma pauvre. Maman, mais de là, maman dit que par le fait à quel âge tu me la période pour voir sa nouvelle coiffure là, elle est comme la souris qui est tombée dans la mamie du rouge et tout. Elle a changé de look. Moi, je trouve qu'elle est jolie avec. C'est le look qu'elle a changé. Les lèvres, là, alors, baissées sous nous comme ça, là. Et que, c'est là que tu vois les hémorroïdes avec les fibromes qu'elle a, là. Les fibromes, quand tu me dis qu'on paye pour avoir ça. Tu as déjà insulté dans Facebook, Thérèse. Pourquoi tu aimes l'insulter comme ça? Moi, je ne l'aime pas. La dernière fois, je t'ai dit comment elle insulte Madoka. Tu vois comment elle a insulté Madoka hier? Parler de son mari, elle a dit qu'elle avait monté son acte de mariage. Elle est malade. Madoka, tu l'aimais, non? Ok, moi, je ne l'ai jamais aimé. Et on dit que PS, on dit qu'elle avait oublié. Elle avait oublié son caleçon là où elle était partie, Binda avait acheté des colos. Non, vous manquez. Elle dit qu'elle avait oublié son string là-bas. En tout cas, moi, c'est ma personne. Et moi, moi aussi, je t'appelle. Ça, tu vas là faire comment? Ah, tu as deux bras, non? Tu as le bras gauche et le bras droit. C'est ça. Donc, franchement, la prochaine fois que tu montes ici pour la franconner, peut-être descendre parce que, voilà, je ne sais plus comment faire avec toi. En fait. Tu as vu quoi? Choisis, non? Entre ton ami et ta soeur. C'est tant que tu prends la lionne et si tu ramasses la lionne, mon frère. Hey! Ça ramasse pas tout petit, hein? Ouais, elle me danse. Ouais. Aussi que vivre, il faut qu'elle se calme. Vu qu'elle cherche Madoka. Même si Madoka ne peut pas le dire pendant un mois, son problème. Si elle dit qu'elle est femme, elle dit que tu as fui Facebook. La famine de ça.
avec les grosses, grosses dents comme les morceaux de plantain, comme les. Pas nos collègues, vous surtout les plantains comme pile là. Saleté comme ça là. Quand ma docteur, les chiens, ils sont easy money. Il est 2h du matin, tu insultes comme ça. On dit que ça a l'air ce qu'il faut faire avant de dormir. Ça a l'air ce que tu insultes. Non, maman, il est à 20h. Il est 20h ici aux États-Unis, à Maryland. Moi, je suis à 20h ici. Il est 20h. C'est surtout ces distances-là. Il est 20h. Hein? Avec les morceaux, les dents sont comme les gros gros plantés comme Pila et Pocla et tout. Une saleté comme ça. Il vient parler de Madokas. Un malade. Madokas, le chef, fait ses dollars pour aller. Elle a construit son énième chantier. Elle a d'accord les femmes, d'accord les femmes, d'accord les femmes. Alors qu'elle n'avait pas mangé depuis le matin, mais c'est depuis combien de jours même. Et elle, quand elle a fini de traverser l'eau, de sortir dans l'inondation là-bas à Bonabo, quand elle monte la robe jusqu'à dans ses oreilles pour sortir de l'eau, elle vient maintenant se sécher. Elle vient maintenant. Elle monte le goudron chez nous là-bas, mais pas dans le bas. Quand elle vient toucher le goudron chez nous, elle vient commencer à parler. N'importe quoi. Laisse la lune faire son blog comme elle peut, comme à son niveau. Quel blog, dis donc? Que si elle est posée comme toi là, que si elle fait son blog dans la politique, posée comme toi, pas la voix. Est-ce que moi je suis blogueuse? Moi je suis pas blogueuse. Tu sais que moi, j'ai été un faux possible quand même violent. C'est juste que j'ai choisi de passer à autre chose, tu vois. Ouais, et même le problème, c'est que la panthère, mais j'imagine même si tu étais violente, mais regarde comment tu t'en éloquences et tout, mais elle est désagréable à écouter. Le faux français partout. Une fille qui n'a même pas le niveau élémentaire, elle vient parler aux petites personnes comme nous. Une fille qui n'a même pas le niveau élémentaire. Mais est-ce que c'est déjà attaqué à toi personnellement? Non. Chacun ses problèmes sur Facebook. Donc, toi, tu parles. Moi, je parce que tu parles de Madokas. Non, je te dis que je n'aime pas son impolitesse. Oui, et ça, c'est un cas que je peux aussi faire. Moi, je n'aime pas son impolitesse. Elle est très impolie. Elle est très impolie. En tout cas, il faut savoir qu'elle est dans son blog maintenant. Nous, les potes à du Chapap, le but, c'était qu'elle fasse la paix et que les gens la pardonnent. Bon, c'est là dans son couloir. Moi, je la laisse avec ces gens, mais moi, personnellement. Mais comment elle insulte même les braves femmes comme vous, les belles gars comme ça, les gars, comment on dit, les conteneurs. À l'époque, elle montait chez Bertrand là-bas, elle finissait avec vous. Je m'appelle comment elle insultait Tatiana Mima là-bas. Elle toi, particulièrement, non, peut-être que toi, je n'ai jamais suivi un truc, mais elle finissait avec la fille de Ben. Je ne suis jamais entrée en conflit avec elle. Hein. C'est pas toujours été une personne que je respecte comme ça, naturellement. Tu n'as pas interrompu, comme on respecte, on a été respecté. Je te dis la vérité, je ne suis jamais entrée en conflit avec elle, genre, non, jamais. Elle fait du mépris pour elle, c'est pour elle comprendre. Elle peut d'abord se placer à quel niveau est toi. Elle peut d'abord commencer par où. Toi, tu es une conteneur. Aujourd'hui, demain. Elle va d'abord se placer par où pour commencer avec toi. Franchement, il faut laisser comme ça, tu sais. La Lune et Madoka sont dans un game. Et même Madoka aussi est dans le game. Si Madoka même se respecte, pourquoi aller provoquer une petite fille comme la Lune là? Madoka ne l'a jamais provoqué. C'est elle qui est venue provoquer Madoka parce qu'elle crée sa mère fou. C'est elle. Madoka ne l'a jamais indexé. Quand la Lune a fait la paix avec ces gens, Madoka ça fait une sortie. Ça, c'était la provocation. Pourquoi ne pas l'ignorer? Mais elle a fait la paix avec sa maman qui est Flo, elle est retournée à la maison. Madoka s'aurait dû faire vu et ignorer. Et elle a fait la paix avec ses mamans, compresseur et Flo, oui. Madoka s'aurait dû faire vu et ignorer aussi. Même tous ces gens qui ont fait les sorties de cela devaient faire vu et ignorer. Hein? Non, mon problème, c'est qu'elle est très impolie. Elle n'a pas de vue et ignorer. Based on what, elle est très impolie. Moi, on peut se clasher. Moi, je ne verrai jamais ici, là, peut-être parler de d'autres personnes, après des personnes. Mais son impolitesse et sa position qui me fait dire ce que je dis là, elle est très impolie. Elle n'est pas clean, elle n'est pas fresh up comme toi. Elle a besoin d'être fresh up. Elle ne parle pas bien. Elle est désagréable à écouter. Elle fait mal au tympan. Okay. Mais toi, tu dis qu'elle est désagréable peut-être à toi, mais à d'autres personnes, non. Hein? À d'autres personnes, elle
toi tu ne sais pas. Comment tu peux dire que je parle en considération de moi. Donc moi je parle par aux autres, je parle par rapport à ce que je ressens. Donc moi je n'ai jamais fait un survey. Je ne suis jamais allé faire un survey. Moi personnellement, le but c'était que elle fait la paix avec les abeilles et la TKC parce que c'est là-bas qu'elle était. Et ce sont ces gens-là qui l'ont fabriqué. Donc, elle pense vraiment qu'elle est en paix avec eux. Mais deux mamans. Si tu sais que tu es en paix quelque part, mais deux mamans là, pourquoi elle fait leur apologie tout le temps? Pourquoi elle ne peut pas avoir de la niaque comme toi là, qui vient sur Facebook. Tu es dedans que c'est un gléton comme tu es là et tu fais ton truc, tu mets ton chemin. Pourquoi elle a besoin d'être accrochée sur les gens qu'elle ne connaît même pas? Mais c'est les gens qui l'ont réglé. C'est les gens qui l'ont fait, non? C'est les gens qui l'ont fabriqué. C'est les gens qui l'ont fabriqué. Une fille qu'on dit qu'elle est venue chier dans les toilettes modernes et tout, et qu'elle n'avait jamais chier dans les toilettes modernes. Pourquoi elle fait les directs là tous? C'est les gens qui la regardent. Françoise MB, je te dis bonsoir, Makota. Tu as dit quoi encore? Tu as dit, vous avez aussi les problèmes de punaises au lit, punaises de lit qu'on parle là. Non, moi, je n'ai pas. Les punaises de lit, les punaises de lit, c'est quoi? C'est les petites bêtes. C'est les bear box, hein? Ils appellent ça ici, là, les bear box. C'est où ça? C'est chez Bitouma. Non, c'est une Kota qui écrit en commentaire. Sûrement, elle a ce problème. Ouais, pendant que j'ai le matelas là. Quand ça rentre dans le matelas comme ça, quand j'ai le matelas là. Oui, il faut seulement jeter le matelas parce que hein, ça va toujours rester calé dedans. Oh. Il faut jeter le matelas, pulvériser la maison et tout, laver tout, sécher. Ok, j'ai d'abord le premier traitement, c'est le jeter le matelas là. Il faut que j'ai le matelas là. Mais comment t'as fait que les punaises entrent dans un matelas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et les gars, vous aussi avez les problèmes de punaises de lit. Qu'on parle là, nos mamans. Non. Les belles boxes là. Le travail de tout ça. Le travail de ça, quand tu l'as encore comme ça, le travail, laver les trucs, jeter les trucs et tout. Le travail de ça. On se voit demain du Cameroun. Toi, Bongba. Bisous, Mamisa. Demain. Toi, Bongba. Je finis avec du Cameroun demain. Tu as un dernier là, Pépé, ou non? Gondé. Ongo, toi, Mbappé. Toi. Ok, Mamisa. Toi. Aussi vexé. Bye. Aussi vexé, moi. Non, c'est le game, non. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Ok, chérie, bisous. Tu es ma soeur, maman, ma soeur, Bafan. Tu n'as même pas le choix. Ah, voilà. Je suis seulement obligé de te supporter, non? Je vais faire comment? C'est que l'amitié finit, mais la famille ne finit pas. Dis que. Bye, bonne nuit à vous. Bafan, coupe ton live. Bonne nuit, soeur. Toi, maman. Ok, bonne nuit, alors. Ok, chérie. Bye.